Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes noirs, vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique, Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande s'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme, et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons parler essentiellement de la présence du président de la République dans la ville de Goma et son point de presse, je veux dire ces deux points de presse qui ont été finalement publiés, rendus publics par rapport à ce qu'il a dit. Mais on va d'abord commencer par souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire pour récupérer. Bien sûr, dimanche, on n'avait pas passé l'émission, on le fait aujourd'hui. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fêté ses 58 ans d'âge hier dans la ville de Goma, la ville où les gens pensaient qu'il n'allait pas aller. Nous, on l'avait déconseillé complètement, mais le chef de l'État a trouvé le bon moment. Après l'état de siège, eh bien, il s'est rendu sur place dans la ville de Goma pour réconforter sa population qui traverse une sérieuse, une mauvaise période, je vais dire, après le volcan. Eh bien, la vie ne semble pas être bonne à Goma. Et le chef de l'État a préféré passer le jour le plus beau de sa vie, ça veut dire son anniversaire. Et lui et sa merveilleuse dulcinée femme, la première dame de la République démocratique du Congo, j'ai cité Madame Denise Nyakero. Donc, joyeux anniversaire au chef de l'État. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a fêté l'anniversaire le même jour avec le président de la République. C'est Monsieur Biselenge Fortuna, qu'on appelle Bifor. Il a fêté aussi, lui aussi, son anniversaire. Alors, lui, c'est 50 ans d'âge. C'est fabuleux, c'est merveilleux, joyeux et pétillant anniversaire à vous. Vous fêtez le même jour et vous êtes très proche. Que Dieu vous bénisse énormément. Et vous êtes tous à Goma.
C'est un honneur de savoir que vous êtes là et je crois que le peuple, la population de Goma trouve, je crois, beaucoup plus d'intérêt de votre présence sur place. Aussi, Congo Buzz fête l'anniversaire de son patron, de son chef, Jérémy Maïkandi Mangboko, notre DF. Eh bien, son anniversaire, c'était aussi hier. Donc, hier, c'était une journée assez importante pour nous, à Congo Buzz. Jérémy, joyeux anniversaire. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je le fais maintenant. Voilà. Donc, on va fermer la page des anniversaires, tout en signalant aussi, aujourd'hui, le 14, l'anniversaire d'un autre agent de Congo Buzz. Il s'appelle Gaël Toudikolela. Il a fêté son anniversaire aujourd'hui. Il fête son anniversaire déjà aujourd'hui. Je crois que tout va bien se passer. Gaël Stémaï, Gaël Fashion, Gaël et tout le reste. 1m92, Gaël, joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, parlons actualité maintenant. Le chef de l'État à Goma. D'abord, sur le plan de la forme, c'est un très beau message parce que ça tord le cou et les rumeurs à toutes ces personnes qui disaient que le chef de l'État promettra réaliser raté. Bon, il a promis qu'il allait être avec eux. Il est là. Maintenant, est-ce qu'il va aller à Beni? Est-ce qu'il va aller à Ituri? Est-ce qu'il va aller là-bas? Eh bien, ce sera à lui de décider. Mais il avait promis que Bino Nava de Konanga Est, Nagoya et Panabino. Je crois qu'il est déjà là. Je crois que cette question est maintenant résolue. Mais il faut retenir que le chef de l'État vient dans un cadre précis. Le cadre, c'est que Bandeko ya Goma, Volcan et Betaki Bango, après qu'il va être état de siège, ils arrivent contre Banguna. Mais il y a contre un volcan. Si quand le volcan est là, et il y a un souk'en a problème dans la ville ouana, et que tu as panzana qui m'ont mis, tu as kenda qui, tu as zongi. Le chef de l'État, le bitenga mona qui doit vivre de près. Tout ce que l'on a battu, n'ayo kabango, qu'il y ait un contact physique, qu'on discute, et puis ça va bien se passer. Je crois que ça a été dans ces conditions-là. Le chef de l'État est allé là-bas, et il a finalement fait un point de presse au cours duquel il a donné ses idées. Pour la vaccin, pour la corona et tout ça, troisième vague. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je ne voudrais pas commenter tous les propos du président de la République. Je voudrais tout simplement, pendant que le chef de l'État est encore en train de réfléchir sur la question, déjà en avance pour la troisième vague. L'idée ici, c'est que le chef de l'État ne soit pas induit en erreur. Pour ça, on a bu sur les alibouis. Les décisions que le chef de l'État a en rapport avec la troisième vague, elles ont la décision assise sur le vrai. Elles ont la décision que le chef de l'État a voté parce qu'il va passer conseil, il va passer idée, parfois il y a solité. Nous sommes en train de vivre à Kinshasa, nous connaissons comment ça se passe à Wanambokanabisson. Nous ne vivons pas Ndenge France, ils ont vivre, Ndenge Éthiopie, pardon, Ndenge Belgique, ils ont vivre, Ndenge Suisse, ils ont vivre. Les cas sont différents. La troisième vague, la force de la troisième vague, bako sa bisoté, et zandenge mon côté, na ba vague, ou zobet en France, ou zobet en Paris, ou zobet en Égypte, pardon, na Canada, ou na États-Unis, et zandenge mon côté. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, ils ont compris que on a perdu autant de millions d'argent, autant d'opportunités, l'ukolo yako batama, yako banga, Covid. Maintenant, il fallait développer des mécanismes yako vivre na yango. Déjà, l'idée, la première idée, il y a ça, le reconfinement, je déconseille ça vraiment au chef de l'État. Ceux qui n'ont pas mesure au chef de l'État, ils ont une décision. Ceux qui reconfinement, ils allient, moi je demande au chef de l'État de ne pas prendre cette décision-là. Ça ne sera pas une décision importante, au contraire, c'est une décision improductive. Et de foutater. Nous connaissons maintenant que Covid est allé. Et ce n'est pas prêt pour que Covid ait un week-end. Donc, le plus important, ce n'est pas de nous cacher, mais plutôt d'affronter ces virus-là. Et affronter ces virus-là, comment? Ça veut dire développer des mécanismes, soit il y a Mayele, soit il y a Makassi, pour empêcher la propagation. Mais vous n'allez pas reconfiner, parce que reconfiner, ça crée plus de problèmes que ça ne résout. Donc l'idée, c'est de reconfiner, c'est une très mauvaise idée, elle est improductive. Tout renforcer. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Geste barrière. Par contre. Essayons un peu d'aller un peu plus loin. Tout tombe la sanction, ok? Sur la question, on a port de masque, par exemple. Port de masque, et comme, est à la obligatoire.
Je veux dire que ma port de masque est obligatoire. Que laver ma bouche dans un lieu public est obligatoire. Mais jusqu'à dire Paris confiné, par exemple, parce que jusque-là, cette hypothèse-là n'est pas soulevée par l'État, non pas du tout, elle n'est pas soulevée par l'État, mais elle est portée par quelques personnes. Au Badana, il y a Paris confiné, Congo, Paris confiné, Kinshasa, Paris confiné, Mboka. On a vu fait que ça a coûté. Ma mesure générale, voilà, et les rejets qui vont te mener parce que tous les pays, et puis je dois le dire encore, vous savez qu'il y a Congo. Au Congo, il y a des coins où même pas un seul cas, il y a Covid qui est signalé. Na RDC, na Bissau, il y a de ces villages, de ces provinces, où même un cas de Covid est allagité. Alors, nous ne pouvons pas prendre de communes mesures pour des endroits où nous avons besoin sinon comme un préjudiciable pour nous. Même si nous avons couvre-feu, il y a de ces coins où cette histoire existait. Dans des villages, dans des villes, dans des cités, il y a des choses où il y a Covid et continuité. Alors, lorsque vous dites que sur tout l'étendue du territoire, 21h, tout dans Ndaku, vous dérangez les gens, vous dérangez certaines personnes qui n'ont rien à voir avec vos mesures, rien à voir avec la pandémie. On peut comprendre, ce qui est beau, dans ma ville, c'est quelconque. En France, aux États-Unis, ça la rabongo. Quand ça frappe le nord, on dit c'est au nord que ça frappe, on va se concentrer au nord. Et on va se concentrer à toutes les sorties du nord. Pour que bateau est nord, ceux qui balguent la bima, bas dans la restriction à modèle Oyo, bateau est sud, ceux qui vont monter dans le nord, bas dans la restriction modèle Oyo. Donc Kinshasa, le colonel épicentre, il y a épidémie voilà. On peut, côté sous ma force est belé, côté Kinshasa. Et dans la porte de Oyo Kinshasa, et dans la porte de bateau bima Kinshasa, que ce soit des endroits où tu es bloqué en gros par exemple. Des mesures à prendre, des mesures salvatrices à prendre. Regardez, mesure par exemple, Dubaï, n'a pas de logique, là, Dubaï a beau, surtout qu'il n'est pas naïf. Alors, non, nous, on est parmi les pays qui sont interdits de. Qui n'est pas naïf. Faisons la même chose. C'est la réciprocité aussi. On dit, ok, donc, désormais, toutes les personnes qui viennent de Dubaï n'interrompent pas au pays. On fait autant pour la Chine, autant pour l'Inde, autant pour ma pays, où il y a concerné, indexé, le la bangonde, le porteur, il y a virus. Nous pouvons décider que, vol à destination, il y a un pays où tout bateau qui est en contact avec le pays où il y a un Congo pendant un moment. Ce sont des mesures qui peuvent être des mesures qui vont être saluées. Mais dès là à dire qu'on va confiner, dès là à dire qu'on va interdire les regroupements, les rassemblements, excusez-moi de vous le dire, quand on dit rassemblement, on fait allusion à quoi exactement? Quand on dit rassemblement, on fait allusion à quoi? On fait allusion aux églises, on fait allusion aux écoles, on fait allusion aux universités, on fait allusion à quoi? Nous avons accusé des retards d'un niveau scolaire en Abisso, d'un niveau académique, d'un niveau scolaire, que nous ne sommes pas prêts à récupérer ça. Alors, ne nous donnons pas de luxe aux alentours. Les enfants peuvent continuer à étudier, mais avec des masques. Les enfants peuvent continuer à étudier après avoir désinfecté certaines écoles, après avoir mis des dispositifs dans les écoles ou désinfecté dans les écoles. On ne peut pas aujourd'hui continuer à dire ça, à faire ça, parce que nous ne connaissons pas. Et ce qui est troisième vague, disons quatrième vague, cinquième vague, parce que rien ne nous dit qu'il n'y aura pas une quatrième vague. Rien ne nous dit qu'il n'y aura pas une sixième vague. Alors si nous continuons avec cette idée de reconfiner les gens, couvre-feu par-ci, couvre-feu par-là, on finira quand? Nous perdons autant d'argent, parce qu'il faut évaluer d'abord les pertes en termes de millions que nous avons enregistrées pendant toute cette période. Dire aux gens que la santé n'a pas de prix, c'est bien, c'est un bel adage. Mais à un moment donné, cet adage devient mal exploité. La santé n'a pas de prix, oui, mais le fait de ne pas travailler, on perd encore beaucoup plus de choses. Cette histoire, le virus est là. Ce qui est vrai, ce qui est, il faut dire aux gens, ce qui est virus est zawana. Virus, on a égolomoisicoté. Maintenant, nous devons travailler, vivre avec le virus, en étant beaucoup plus sévère, beaucoup plus intelligent. Alors, d'abord, c'est la idée au chef de l'État, qu'on a en gros, on va repérer le chef de l'État, pour que tout le monde en ait une cause à la main, tout dramatiser ma cambote. Et puis encore, il faut dire un élément. Tous ceux qui meurent dans les hôpitaux, dans les cas de Covid, il faut à un moment donné qu'on arrête de mentir les gens. Bisotovi, nous avons tous fait de tout. Moi-même, personnellement, j'en ai souffert. Tozu, ba kosu, kosu, awa. Tozu, ba rhume, awa. Tozu, ba grippe, awa. Il y a une grippe saisonnière. Pendant la période il y a Elanga, grippe on est toujours. Moi j'ai attrapé ça, ma femme a attrapé ça, mon bébé a attrapé ça. On a tous attrapé ça, mais qu'est-ce que c'est? Et si comment ça s'est fait que s'il y a un moko, je n'ai pas consulté, n'a mon médecin, n'a mon logoté. Et si il n'est écoute mon bébé n'a même pas vu un pédiatre. Et si il n'est parce qu'il y a qui le moko saisonnier les kanangaka. On me lit confort, on me lit moi gingembre, n'a mon mamo tomuke, ainsi de suite. Moi, Sinda, Boulukutu, mélange, grippe, on comprend le schéma.
Abia wa bunsanga na ba même mon conventionnel tikana mi kendele nanga. Et puis c'est fini kei. Bon, c'est vrai, c'est sous un ton d'humour. Mais la vérité c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive à confondre to confondre ba kusu kusu et langate na troisième vague de Covid, sinon c'est comme compliqué. Quand on dit que les gens meurent, mais ba trois coup faka pour la Covid, hein. Le nombre de gens qui meurent de malaria, qui nous dira le nombre exact de gens de malaria? Le nombre de gens qui meurent dans AVC, bah combien? Le nombre de gens qui meurent en accident, bah combien? Le nombre de gens qui meurent en sida, bah combien? Le nombre de gens qui meurent dans Makambouya, il y a tabac. Le nombre de gens qui meurent dans ma cirrhose des foies. Bah toi, tu couffes dans Makambouya, il y a épidémie Moussous. Combien sont en train de mourir aujourd'hui pour la malnutrition? Bah combien? Vous allez vous rendre compte que les gens meurent au Congo depuis longtemps. Les lots, au moment où je vous dis, j'ouvre une parenthèse, bah morgues à pleines. Les morgues sont remplies, pleines, il n'y a plus d'espace. Parce que le taux de mort est qui? Les gens meurent, en tout cas, par milliers à Kinshasa. Au point que bah morgues à sautées. Alors, est-ce que toutes ces morts-là, elles sont pas liées à la Covid? C'est faux. Il ne faut pas qu'on nous dise ça, elles sont l'okuta. Elles sont par rapport à l'okuta. Nous n'avons pas bah statistique, il y a solo. Il y a Malonga, combien de gens sont en train de mourir pour telle maladie, pour telle autre maladie. Sinon, Ekolongwa, Penza Corona, et comme Corona guette. Et comme Penza Corona, elle va faire, comment ça va faire, comment Liambo on a un go. Et c'est dommage quand même. C'est dommage parce que là, on n'a plus de cœur. Je voudrais interpeller encore une fois l'intelligence du chef de l'État, mais aussi Naba Service Naye, ou Asala Pono Mambouana. Je voudrais nous interpeller dans une chose. Est-ce que nous pouvons évaluer depuis Covid et Bandi, Tilelo, toutes les mesures ont été pendant tout ce temps et s'appliqua Ndengenin. Premièrement, Bobi Sabiso que pour y a casque est obligatoire. Tout le monde est obligatoire, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on a mis les shows, qu'est-ce qu'on a Kimbuta, qu'est-ce qu'on a Capella, qu'est-ce qu'on a Mumbele, qu'est-ce qu'on a Kingabwa, qu'est-ce qu'on a Lingwala. Au moment que le masque est jamais obligatoire, il y a des gens où depuis que mon masque est bandati, il y a un masque qui est bandati, il y a un masque. Donc déjà vous-même, vous mettez des lois et vous ne les respectez pas. Vous mettez des mesures, vous ne les respectez pas. Les policiers eux-mêmes n'ont pas de masque pour la plupart des cas. Il y a un masque qui est bandati. Ils sont censés faire respecter la loi, eux-mêmes ne la respectent pas. Comment les gens vont respecter cette loi-là? Bon, le bien, il y a un couvre-feu. Mais nous avons vu les gens sortir dans Banzela. Bazana documenté avec le côté abimi otamana butu batuni o panga za autorité batuni o pour ngana mututel na cousin tel mututel. Et au-delà de ça, beaucoup sont au péage. Les gens au lieu de respecter la mesure batona bazo ko fouta mbongo et les policiers prennent l'argent. Il faudrait pas qu'on se trompe. Bazo zo mbongo na balabala, tout le monde le sait, tout le monde le voit, les autorités sont au courant. Alors à un moment donné, arrêtez de vous embrouiller, arrêtez d'amener des lois si vous n'arrivez pas à les respecter. Arrêtez d'amener des mesures, ceux qui vont respecter en côté. Parce que le plus grand danger, c'est lesquels? C'est que lorsque vous amenez des lois et que vous n'arrivez pas à les faire respecter, les gens ont tendance à les violer et à violer encore. Même les futures lois qui viendront, les gens vont être aptes à violer les lois parce qu'ils ont été éduqués, élevés dans la violation des lois. Les gens n'ont pas la culture des textes et l'État ne fait absolument rien pour faire respecter les textes. Lui-même, l'État, viole ces textes-là. Les animateurs de l'État ne respectent aucun texte. Alors, comment voulez-vous évoluer? Donc, nous avons des mesures que nous ne respectons pas. Même si le chef de l'État dit, on respecte, on sait que le premier jour ou les trois premiers jours, ils ont à peine respecté. Mais puis le quatrième jour après, ils s'y lient. Et comme d'habitude, ma barrière au motier la bifée vers la péage, ils ont la barrière T. Toyaka, tu coûtes à la policier, tu peux faire 3000 francs, 2000 francs, tu les qui? 1000 francs, tu les qui? D'ailleurs, le Batamako, le coût, nous n'en parlons pas. Batamako, le tel, la rabango, des bureaux, tu as 21h. Bon, tu sais qu'on a 21h. C'est en fonction, il y a violation, il y a bateau. Qu'on viole, Mibeko, qu'on viole, on est bino, l'État, besoin ici. Bon, le bio, tu sais qu'on a 22h. 22h, bateau, on viole, kakama, babalouango. Donc, bon, il y a un mot que ça ne sert à rien d'amener des lois. Oh, bon, vous allez en mesure de protéger, on parce que c'est tout un monde après. Le couvre-feu au Boucha, à 21h. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer? Ça en a servi à quoi? Ça a servi à enrichir les policiers. Ça a servi à faire quoi? À rien d'autre. Et le couvre-feu oh, et servir na elo côté. Bah tout va venir na banda kuna bango pour na kubanga peut-être une délicatesse à la police ainsi de suite. On entend bakani mutuna bar, bakani batuna boîte, mais les mêmes personnes ne veulent pas qu'on a boîte wana, na baba wana. Le lendemain, ils reviennent dans les boîtes et les mêmes boîtes que vous avez arrêtées hier à 21h sont les mêmes boîtes qui ferment encore à 22h.
sont les mêmes boîtes qui vont jusqu'à 2h, à 3h. Alors, dites-moi, comment voulez-vous que les choses se passent? Déjà, vous-même, vous n'êtes pas en mesure de faire respecter la loi. Dans un, on dit souvent ceci. Il n'y a jamais eu de peuple têtu. Il y a toujours eu des autorités faibles. Le peuple n'est jamais têtu. La têtuesse du peuple, c'est sous la place coercition à l'OMBA et Bandak. Ce qui peuple, c'est la têtuesse pour la loi, c'est faible. C'est animateur à loi, c'est faible. Il n'y a jamais eu de peuple têtu. Un peuple têtu, c'est la preuve que le pouvoir public est faible. Parce que c'est au pouvoir public de faire respecter ses lois. C'est au pouvoir public d'être omnipotent, d'être tout puissant. Mais si vous avez un pouvoir public faible, un pouvoir public nonchalant, voulez-vous quoi? Pour tiens mesure, on a 13 heures, pour boucle, on a 11 heures. Pour tiens mesure, on a 13 heures, pour boucle, on a 14 heures. Pour le baquet, on a 15 heures, mais jusqu'à 18 heures, on a toujours. Parce qu'ils savent que vos autorités sont très faibles. Pour faire respecter, on va les acheter. On va leur donner un peu de moyens, un peu d'argent. Moi, ma proposition, au-delà des critiques autour de ça, là, avant d'appeler ça dans nos propositions, tout critiquer dans nous, trouver sa proposition sim. Toi, Sabino, combien ma faiblesse est allée dans le coin? Vous nous parlez de masques. Là, c'est une décision inutile parce que vous avez une décision. Vous nous parlez de couvre-feu. Vous avez une décision. D'abord, avant tout qu'il y ait la troisième vague, faisons d'abord une évaluation à la deuxième vague. Comment nous avons géré la situation de la deuxième vague? Aucune. Si sur ceux qui t'obligent, toi qui ne peux évaluer, mais vous avez 2 sur 10. Ou même 1 sur 10. Rien. Communication, on communique mal. Riposte, il y a Marambouya Covid. Impayé. Comment voulez-vous comprendre ça? Bateau, bazo affronté maladie, on a tous les jours, baza impayé. Les agents de Covid, baza impayé. Il y en a qui, jusque-là, on a 3 mois d'impayement. Monsieur, il y a 2 mois d'impayement. Tout le monde a dit que c'est un peu de temps. Il y a ce qui va foutre bango déjà. Mais bateau, on a pour la plupart des cas, baza un impayement. Alors, expliquez-moi. Déjà qu'il y a un désordre dans le binôme, un véritable désordre. Alors comment vous allez nous faire comprendre la question? Le chef de l'État a parlé du vaccin. Monsieur le Président, il n'y a pas que le problème de ces vaccins-là. Mais le problème, c'est que tout autre vaccin qui viendra, les gens ne seront pas prêts à voir au Congo. Même à ta présidente, il y a un petit vaccin, moi, personnellement, je ne prendrai pas ces vaccins. En tout cas, dans vous en avez. Sauf ceux qui ont commis condition, là, au fond, voyageurs qui ont des potos, ok, bobet. Mais ceux qui ont une voie normale, qui font un vaccin, ils ont un peu de sniper. Vous disposez de vous un gomba, qui est 4-4. Vous avez un peu Delta, Delta 1, Delta 2, vous avez tiré, car vos voies normales n'ont pas besoin. Parce que ma question fondamentale, là, je vais répondre d'un côté. Est-ce que ceux qui n'ont eu le vaccin, n'ont pas été contaminés? Oui. Oh. Bon, ceux qui n'ont eu le vaccin, est-ce qu'ils ont été contaminés? Oui. Oh. Mais si ceux qui n'ont eu le vaccin, il faut aller dans le masque. Hey. Oh. Ceux qui n'ont eu le vaccin, il faut attendre la paix avant. Non, on a respecté couvre-feu. Oui. Bon, alors, à quoi ça sert? À quoi ça me sert un vaccin? Est-ce que le vaccin, on a eu, oh, ceux qui ont eu une vague, on a la victime, on a exposé. Mais alors, pourquoi je prendrais un vaccin? C'est des questions légitimes. Est-ce que ceux qui n'ont eu le vaccin, n'ont commis immunisé dans le virus? Oh non, on ne sait pas encore. Oh. Alors, ceux qui ont eu le vaccin, par exemple, variante espagnole, et vous avez exposé. Variante suisse, bon, variante, il y a beaucoup de gens. Alors, pourquoi je vais aller faire un vaccin comme ça? Répondons aux questions. Le problème, c'est que le monde entier, ça, il faut le dire du côté du monde, on a mal abordé la question. La question de la COVID, on l'a très mal abordée. Les gens ont présenté ça comme une sorte de fatalité, comme une sorte de, quand on l'attrape, on meurt directement. Et ça a créé beaucoup plus de psychose que solution. La résistance au besoin, c'est des résistances parce que, écoutez, insuffisance des réponses aux questions des gens. C'est pourquoi, lorsqu'il y a insuffisance des réponses, ça crée l'incertitude. L'incertitude engendre le doute, la méfiance, et puis le mépris, et puis finalement, le rejet et l'abandon. Personne ne veut attraper cette histoire. Moi, quand les gens vont se faire vacciner, je dis bravo, allez-y. Mais en tout cas, personnellement, moi, je ne conseille personne, moi, je ne prendrai pas ce vaccin-là. Jusqu'à ce qu'on me répondra. Si on me dit que le vaccin, on a besoin, et qu'on empêche de tomber sous malade de la COVID, il n'y a pas de problème. Dans ce moment-là, on a le masque, on a le couvre-feu. Donc, on a le libre. Parce qu'on a déjà vaccin. Parce que c'est même ça le rôle du vaccin.
Ça veut dire que, et le comment côté dans d'autres langues, est identifié le roi microbe. Ce qui est microbe, il écoute les microbes déjà dans d'autres langues, et au bout de ça, il a sauté, et il a temps normal. Mais je sais que ça qui est dans une vaccin, il n'a pas de taper qu'un masque, il n'a respecté qu'un couvre-feu. Donc, c'est l'un de l'autre. Ça peut pas être un gars qui a un vaccin. Non, vous avez un vaccin, tu as presque un nègre, quoi. Tu as presque un nègre, parce que nous sommes tous soumis aux mêmes restrictions. Donc, il faudrait voir ça. Moi, je ne suis pas contre le fait que ma paix va mesurer solo. Raconte-toi. Mais que le mesure au Bokozoa, boye, banane, nous pouvons évaluer, ma mesure au Bino Bokozoa qui n'a l'iboso et salinini. Bon, évaluer, on n'a rien. Bon, ça, il couvre-feu. Bon, le Bino ma masque. Bon, et ça, il joue rôle nini exactement. Et puis, regardez aussi combien vous perdez. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que les gens continuent à se promener, à vaquer librement dans leurs occupations? Mais qu'on essaye de renforcer ma mesure barrière. Qu'on essaye de mettre un peu plus de discipline dans la mesure barrière en Abisso. Alors maintenant là, moi, après avoir tout critiqué, je vous donne maintenant mes propositions, ma façon à moi de voir les choses, ma contribution pour qu'il y ait un qui est bien. Alors, voici, à mon avis, ce que je pense. Ce que vous nous dites sur le vaccin, ou même le port du masque, moi, je voudrais qu'il y ait une communication importante sur le masque, le port des masques. Nazo Sengaboué, que l'État congolais a défini convenablement, communication, a ajusté communication sur le port du masque ou le port des masques sur Bolingi. Je vous explique. Je suis allé en Mbandaka. En Mbandaka, 700 km seulement, la ville à Kinshasa. Dans le côté, jeunes gens, Badola ta masque, non pas pour se protéger, mais pour les faire à Stéma et autres bien à Stéma et charme. Et au tout niveau petit, au delà ta masque, t'es pour la Ninabia, un masque t'as pour la fier caca. Au latin masque, bah, maman, on a quand même que au latin masque. À Kinshasa, les masques sont beaucoup plus utilisés dans l'hôtel. Bah, au masque dans l'hôtel pour la bonne illumine à l'hôtel. Ce n'est pas pour se protéger contre le Covid, mais parce que bah, l'ingibamou on a été. Dans une masque, à matin, on tia, ou à don zim, zim, oh, alors la linga, la zimé le fouti. À même près. Et bon, le port du masque, donc des masques, il faut expliquer maintenant convenablement. Il y a un masque wapi. Et donc, on a une unité, on a un masque, il faut les ipanines. Il y a un masque qui tient au haut. Pourtant, masque n'est pas yébi, et d'après qu'on a un nazolo, na mounoko. Le port de masque, il faudrait qu'on en parle. Il faut que l'État produise assez de masques. Il faut que l'État soit en mesure de produire assez de masques. Parce que la population, au Rwanda, a beau y consommer un masque à 500 francs. Parce qu'il y a certaines économies des familles. Papa, dans la balle, il y a par exemple 7 ou par exemple 8. Consommer un masque, ça veut dire 3500 francs. 3500 francs dans la famille, il y a deux jours. 3500 francs dans la famille, il y a deux jours. Alors, qui y est ce papa qui va vouloir acheter alors qu'il a un gagne petit? Admis ça, 3500 naïr, pour ce masque, il y a un usage unique. Ça veut dire qu'il faut faire des pensionnaires au moins 3 fois par jour, ou 4 fois par jour, disons, 4 fois par semaine. Ça là calcule 3500 par 4. Qui est ce monsieur qui va le faire? Parce que les masques aujourd'hui, ils ont un usage unique. Bon, au Moussa à Bilamba, c'est pourquoi nous demandons ceci, que l'État a réquisitionné, Isam a réquisitionné, ma couturier, au Bazana Kinshasa. Après, ça va être tissu. Et à foutre, ça va être je ne sais pas moi, un minimum. Va confectionner un masque par centaines, par milliers, que l'on va distribuer gratuitement aux gens. On va dire non, même en Europe, on ne distribue pas. Nous ne gagnons pas comme en Europe. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Même en Europe, les gens, ce sont eux qui achètent. Ils ont un pouvoir d'achat très élevé. En Europe, là, Moutelaire a $1 à athée. En Europe, on a $1 à zaté. Au Congo, il y a des gens qui bouffent 8 cents par jour. À l'ambi, le lundi, le mardi, à Colombaté, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, le mardi. Non pas pour Nazanango, mais parce qu'il y a Nazanango d'été. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Bana Moussou, on a un bâtiment, on a un bâtiment, on a un maki, on a un magdam, on a un makemba, on a un kwanga, on a un tout, on a un yango. Inyango, et pas un bâtiment, on a un kin, on a un fonds de commerce. Bito na ngato bengango inyango. Otuni mona inyango na combien abi inyango na ngao yo 2700 francs. Bana mzuba tambola na biyo ko na bango na edaka 3500. Nde a tambola moyi mobimba oyo pour vendre quelque chose de 3500. Bénéfice na bango da 800 francs. Alors vous dites à un enfant comme ça, a dongi na ndaku, a zombi masque à 500.
mais il faut qu'on soit malade. Alors, ça le montait. Il ne faut pas le faire. Donc, si l'État veut faire respecter cette mesure-là, que l'État distribue des masques gratuitement, et pour que l'État distribue des casques, ceux qui paient des masques gratuitement, je vous ai donné le point. Point de vue, n'a pas. Isa, mes alliés. Bah, couturier, mes alliés. Bah, répertorier, bah, couturier. L'État peut même procéder à passer dans la commune, ou qu'on mette une commission qui va aller voir les tailleurs qui sont dans la commune. Bon, répertorier dans chaque commune 15 tailleurs ou 20 tailleurs ou même 50 tailleurs par commune. Ben, on va produire par exemple 1000. Vous avez 7000, 8000. Ce qui va à 10, bon, 10 000 masques. Et 10 000 masques qu'on a, et ça renouvelé, et ça a dit au Golata, au Soukoli, au Latilisous. L'État qu'on produit, vous pouvez donner dans chaque famille, dans chaque foyer, l'État peut le distribuer dans chaque foyer. C'est simple, non? Est-ce que c'est un moment difficile, les gens? Que l'État mette le moyen, qu'on mette ça, qu'on donne à l'ISAM, l'ISAM peut nous produire 10 000, 15 000. Ou même l'ISAM a produit 1 million de masques, ou même 2 millions de masques. Nous sommes une population estimée à 18 millions d'habitants. On va, pardon, 12 millions ou 15 millions d'habitants. Nous pouvons produire jusqu'à 10 millions de masques. C'est à nous de voir. On peut reprendre ça. Bralima, Bracongo, toutes ces entreprises, il y a Bralima, Brassicole. Bah, on va produire une quantité exponentielle. Il y a banane, il y a gel. Na Canada, il y a une brasserie. Na Canada, une brasserie a produit l'alcool. Donc, Bralima, ils peuvent le faire. Na Lubumbashi, Brasimba, Sokinim, Bakosalango. On produit comme ça l'alcool, le gel, et on donne aux gens gratuitement. Surtout aux gagnes petits. Parce que c'est vraiment gratuitement. Voilà. Et puis qu'il y ait une communication. RTNC, chaîne nationale. On peut prendre 20 minutes pour communiquer sur le Covid convenablement. Dire à nos frères, à nos enfants comment il faut faire. Moi, là, tout ça, mon bouteille d'eau, moi, tomber là en haut chaque jour. Mais c'est des mesures comme ça que l'on peut aider aux gens. Et dans le cas de RTNC, chaîne nationale, ça ne nous coûte absolument rien. On a une mesure où on a une haut et une barrière. Deuxième chose, on a un regroupement. Monsieur le Président, laissez les gens circuler librement. Bon, renforcer la mesure barrière, c'est tout. Na bus, deux personnes na kiti, c'est tout. Ce qui chaise, moko mutumoko, chaise moko mutumoko. Ce qui la place est pour trois personnes, ça s'arrête là. Bango, ce qui balati ba masque na bango, bon, ça la contaminé. Nga lati masque, yo lati masque, tout ça contaminé pour elle. Alors, même dans na kati ba regroupement, na ba église, na banani, obliger aux gens de porter des masques. Ce qui bango balati masque té et qu'il y a une équipe de contrôle qui passe, c'est l'église qui paye. Ou c'est l'initiateur, celui qui a fait le regroupement, celui qui fait payer. Ceux qui vont dans l'église, il faut beaucoup taper là qu'il y a un dispositif pour désinfecter le bateau. Et ça là, on doit tellement pomper et désinfecter à côté. Même chose, les grandes communautés peuvent le faire. Les petites communautés peuvent s'abstenir, s'exposer. Bah, t'as masque. En faisant ça, on va épargner des vies. Au lieu de fermer les gens, bah ça la terre, bah bim la terre, tout reconfiné. Non, monsieur le président, partout à travers le monde, bah donc il y a une logique à reconfiner. Notre cas n'est pas de pas le cas il y a haine. On n'est pas pareil, qu'on ne nous trompe pas. L'Inde n'a plus autant de mon côté. Nous, dans les cas de mort, dans de nombreux morts, nombreux cas de morts toujours rencontrés tous les jours, et ça nous sera atteint pour le moment Covid. Voilà, pena et dans le coup. Monsieur Zali pour les malades diverses, et ainsi de suite. Donc, prenons de justes mesures. Mesdames et messieurs, cette saloperie existe. Corona et Zali Penza. Virus, on a Zali Penza. Mais dans le monde, c'est dramatisé, c'est exagéré. Prenons des mesures qui vont nous aider à ne pas déranger notre économie, qui ne vont pas affecter la productivité, qui ne vont pas affecter notre travail. Mais qui peut, non pas, qui ne va pas non plus nous tuer. Donc, prenons des mesures, des justes mesures, pour qu'on sache que tout renforcer ma mesure barrière. Pour les policiers, tout ça, le système, il y a programme. On n'aimait pas tous les policiers. Mettons un programme, il y a 700 policiers ou 2000 policiers. Attends, on est commis dans la charge. On a 2000 policiers, on a répertorié, connu, suivi. Que nous pensons que on est meilleur.
nous le mettons là-bas. Tout ce qui est dans la barrière. Parce qu'il y a une prime de travail. La prime, on peut l'amener, on peut amener même la prime à 250 dollars ou 400 dollars. On peut le faire. Si nous voulons que Bango Baïba Zombo Nanzelate, mettons leur modèle, parce que l'avantage c'est quoi? Ceux qui peuvent passer par policier, capacité, par exemple 400 dollars la prime, n'habitez pas au Burkina, par exemple 50 dollars chaque jour, 60 dollars chaque jour, c'est à vous de voir. Mais Bossali, par exemple, moi je prends une moyenne, il y a par jour, 70 dollars ou 50 dollars par jour. Le policier qui a le programme de 70 dollars par jour, à Olingate, à 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, je ne pense pas. À Olingate, vous avez 2, 3, 4 policiers, la barrière moko. Ils savent déjà qu'il va pour un yango. Soit Kangi Moutouna, Erwana, Batali documents, ou il a des documents, un gros circulé. S'il n'a pas de documents, on le met à côté. Il ne va pas accepter la corruption. Il va entraîner Moutouana dans la poste de police et ce monsieur-là va payer l'argent. C'est à Mbongoana va te refouter dans la bande. N'est-ce qu'on s'en a que. Et faire vivre ma policier par, à travers le programme de Mbongoana. Mais si on s'en a pas policier, c'est qu'il y a un à la merci de tout le monde. À la mapaté, à la maïté, à la cafété. Mais on s'en a pas la police, la poste civile. Donc nous pouvons organiser ça comme ça. On dit une prime à 50 dollars. Mais ce n'est pas tous les policiers. Ce n'est qu'un programme que l'on met. Est-ce que ça va nous coûter beaucoup de choses? Est-ce que ça va nous demander beaucoup d'argent là-bas? Pas du tout. 5 000, on prend 2 000 policiers. Par chacun, vous payez 50 dollars. Et c'est ça là combien? Vous êtes allé à l'école, je sais que beaucoup calculent. 2 000 multiplié par 50 multiplié par 2 000 ou l'inverse. Ça vous donne un chiffre. Et le chiffre que ça vous donne là, vous multipliez pendant le temps, ça là. L'avantage, c'est que vous n'allez pas perdre parce que les gens sont indisciplinés. Les gens vont sortir dans Boutou. Et les gens qui vont sortir Naboutou, vous augmentez la dose, pardon, l'amende. Bokangi Moutouana Naboutou, na heure, na ngote, ana va documenter. Qui paye 100 dollars? 100 dollars pour être libéré, il a 100 dollars à payer. Et il faut comprendre que, ah, on fout à 100 dollars, on fout à 120 dollars, on fout à 150 dollars. Il y a beaucoup de monde qui dit, ah, ouais, na fanda ngomou nanda. Plus il y a la sanction, les gens ne sortiront pas et vous allez épargner tout le monde. Mais il faut que ça la coordonne, na ngenge à bien. Mais ceux qui n'ont la police, pas contre ça, moutou la programme, ils vont à la cousine, à ah, il y a, bon, petit, on a un policier, on a un coach sur le programme où il y a 50 dollars, mais on a 20 dollars, on a 30 dollars. Mais quand même, on a dit, pour le policier, quand il y a 30 dollars, il y a 20 dollars, on a récupéré après. Et baby, mettons des hommes bien dans le service, on a, vous allez voir qu'il y a ici, là. Monsieur le chef de l'État, je termine mon émission de ce jour. Monsieur le président de la République, ne reconfinez pas, s'il vous plaît. Ne reconfinez pas. N'interdisez pas les cultes. Ne suivez pas ma conseil à l'Okutawana. Ne reconfinez pas. Ne fermez pas les cultes. Ne fermez pas les groupes. N'interdisez pas les marches, comme je suis en train de voir. Oh, bateau, pas ça, la batambolaté. Non, c'est faux. Bateau, bas à la naba, mesure barrière. Bas geste barrière, ils à la moins mingi. Bas à la naba, masque. Bas, il va qu'on s'espacer. Bas, il va qu'on protéger, bilo, courant, n'y a pas. Bon, les marches, je peux encore comprendre. Mais oui, bah, écoute, ça va culte, kokanga ba réjouissance, ça va être trop et vous allez mal à monter. Voilà mon point de vue. Je sais que je ne suis pas, ce n'est pas de l'évangile, mais c'est vraiment mon point de vue. Le chef de l'État dit, par rapport, en rapport, Namakambouya, il y a vaccin, il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que les vaccins AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser, à la fois des effets secondaires, mais également des confiances vis-à-vis des populations. À ce moment-là, nous communiquerons comme il faut. Nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Et donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés des vaccins. Et nous avons très bon espoir d'en avoir Pfizer, les Chinois et les Russes. Ma question pour terminer dans cette histoire des vaccins. Quel est l'impératif pour les Africains d'avoir ces vaccins-là quand on sait que nous n'avons pas été frappés et nous ne sommes pas frappés comme la France, comme l'Italie, comme les autres pays d'Europe? Pourquoi il faut qu'on nous vaccine? Pourquoi? Le nombre de morts, le nombre de contaminés par la biseau, ils ont tellement mouqué par rapport au nombre de population aux Alliés d'abord. Bon, le nombre de morts, ils ont insignifiant par rapport au nombre de bateaux qui sont contaminés. Mais pourquoi c'est à nous qu'on va vacciner? Je ne comprends pas la logique qu'on a. Pourquoi là où les gens n'ont pas été touchés,
on veut mettre un accent sur la vaccination à Batouana. Alors que là où les gens ne sont pas, là où les gens ont été terriblement touchés, il y a encore des réticences, mais vraiment des réticences sur le vaccin. Je comprends pas. Quelle la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, quand tu es Washington, Balobi maman Marthe né, maman Marthe né, Balobi shop Africa Union, et donc t'es un nyonso, biloko ya ya ni yo Congolais, on y dit ne ko la yo, a sa ni sa yo te, bon akoria na yo, mo ko ba bon la yo, bon a nzoto na yo, mo ko ya ele, mo ko ba bon la yo, Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi on a pas six mois si non vous voyez pas y a dix non vous voyez dix mon combo t'es quoi là t'es quoi alors t'es quoi bio y a mboka y a fresh y a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali parobi nzo mo y a dix en kuba paniwa parobi enjenge isali ya komba kanja yesu mboto ya mbisi na parobi niama ya mboto ya mboko mboto isaga ne kala ngando ne kala ni na basi oyebike na sutu ezako dia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu u alonu po na kolia na pino moko ba bonde na dino kalinyo kolia na apeti Nous vous présentons Ngaï Ngaï La Finesse. Ngaï Ngaï La Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngaï Ngaï La Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide, et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngaï Ngaï La Finesse apporte la joie dans nos familles. Mona Etazini, Tata Yoki Kolela Nabino, Atinde Libino, Mama Samira, Ndenge Ozalakan Etazini, Okolia Lokola Mutuazana Mombele, Lokola Mutuazana Ngaba. Merci mon pote. Wow! Et c'est mon bouche! Bana Etazini, Kolia Bio, Ekomi Lolenge Nabino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. She mama Samira. Ata uzalina posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. She mama Samira, manso mazali, eloko moko teyo kuluko komonate. Nandenga vabete, pona kozwa biloko a detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 Avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya koka uka. Mongusu mafute mbila. E koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, Congolais mama Samira. Ma kien bae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh.